Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons poursuivre notre découverte de la suite Nick Collection. Alors, nous allons nous intéresser au module Analogue FX Pro 3. Alors, une fois n'étant pas coutume, nous allons partir de Photoshop. J'ai ouvert une photo. Cette photo, vous pourrez la télécharger à partir de mon site Vive la photo, pour reproduire les mêmes opérations que je vais faire dans ce tutoriel. Il y aura également d'autres photos sur lesquelles nous allons travailler. Je mettrai un lien sous la vidéo. Alors, je vais dupliquer le calque d'arrière-plan, CTRL-J, et à partir de ce calque, je vais ouvrir un filtre qui correspond donc à Analogue FX Pro 3 dans la NIC Collection. Et me voilà donc dans le fameux module Analog FX Pro 3. Alors vous voyez que l'interface a été remaniée également. Ce module fait partie des modules sur lesquels DXO a fait un travail de fond sur l'interface. Interface beaucoup plus moderne et beaucoup plus lisible, notamment par rapport à Analog FX Pro 2. À quoi sert-il ce module Comme son nom l'indique, il va vous permettre d'obtenir différents effets analogiques. Alors on va obtenir en fait différents rendus de photos anciennes qui étaient obtenus avec des appareils photos différents et des films argentiques différents. Donc une simulation de l'argentique assez puissante, mais ce module ne va pas se limiter à tout ceci. Il permet aussi de s'affranchir de ces rendus anciens pour obtenir des effets spéciaux tels que effets de distorsion de l'objectif, des effets de bokeh, des effets de zoom avec effet de flou, des effets de flou directionnel ou de double exposition. Alors vous voyez que ce module est intéressant à plus d'un titre. Alors on va peut-être oublier la terminologie est employé dans ce module, notamment la notion d'appareil photo et de kit appareil photo, ce qui perturbe un petit peu la lecture et la compréhension de ce module. Si je préfère parler d'outils, donc on va trouver un ensemble d'outils. Au lieu de kit appareil photo, vous voyez si j'ouvre à gauche les kits appareil photo, en fait je vois un ensemble de réglages qui me permettent donc d'obtenir ces effets argentiques, ces effets de rendu argentique et ces effets spéciaux. Donc nous allons voir tout ça en détail. Et par appareil photo, je préfère parler de presets. En fait, ce sont des presets, des pré-réglages, qui vont mettre en jeu un certain nombre d'outils pour obtenir les effets qu'on voit en haut en catégorie. Alors on peut très bien se passer de ces presets pour travailler directement avec les outils, mais on va voir que ces presets sont aussi intéressants. On va traiter cette première photo à travers un preset pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, et après je vais prendre d'autres exemples avec d'autres photos pour traiter en fait de tous les outils. Alors allons-y, c'est parti pour Analogue FX Pro 3. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'interface de ce module. En ce qui concerne l'interface, ce module fait partie des modules dont l'interface a été remaniée par DXO. On a une interface plus moderne et beaucoup plus ergonomique. Alors je vais vous la détailler globalement. Sachez que j'ai fait un tutoriel dans lequel je détaille complètement cette interface. Il s'agit du tutoriel sur SilverFX. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous avez besoin d'y faire référence. Alors globalement, au centre, on trouve la fenêtre de travail, également appelée Canva. En haut du Canva, vous retrouvez les boutons qui permettent de faire différentes sortes de comparaisons, avant et après. D'accord. Et puis, vous avez le zoom avec différentes possibilités le mode ajusté à l'écran, le mode plein écran, le zoom 1 pour 1, à 100%, à 200%, et puis on a d'autres possibilités de zooming. À gauche, j'ai commencé à en parler, on va trouver donc nos outils, comme ceci, avec un panneau très complet, nos appareils photos, c'est-à-dire nos presets, nos présélections, qui sont classés par catégorie, on va revenir là-dessus, les presets que vous avez vous-même fabriqués, les presets que vous avez importés, ça c'est classique, on le retrouve dans beaucoup de modules de la suite Nick Collection, et un historique, ça c'est intéressant aussi, il est dommage que tous les modules n'aient pas un historique. Et puis nouveauté, dans ce module, et je crois bien que c'est seulement dans celui-ci, on trouve en bas à gauche un panneau d'aide instantanée, c'est une aide contextuelle, en fait quand vous positionnez le curseur quelque part sur votre écran, ici dans les réglages standards, vous avez une aide rapide hein, ça vous décrit pas tout mais une aide sur ce que sont les réglages standards vous voyez dès que je déplace ma souris j'ai une aide contextuelle qui automatiquement vient s'afficher alors ça c'est assez intéressant c'est même très intéressant vous pouvez la cacher si vous n'en voulez pas mais je trouve ça un peu dommage donc je vais la faire apparaître voilà et vous avez la possibilité d'accéder au guide utilisateur. Alors je vais le faire. Il se trouve sur le site Nick Collection. Vous voyez, vous avez tous les guides utilisateurs, et notamment Analog FX Pro 3. Et là, vous avez la description complète du module. C'est très bien fait, c'est très accessible. DXO a fait un travail merveilleux, il faut bien l'avouer. Voilà, je ferme l'explorateur. À droite, nous allons trouver la loupe. Donc, je vous rappelle qu'elle permet de zoomer sur la partie de l'écran en dessous de laquelle se trouve le pointeur de votre souris. D'accord? Et qu'on peut voir avant et après. Et puis qu'on peut la fixer dans un endroit avec la punaise. Il suffit de prendre la punaise. Voilà, je la mets par exemple sur le toit de l'abbaye, ici. Et vous voyez, le zone ne bouge plus quand je fais des mouvements avec ma souris. Ça me permet de surveiller une zone. L'histogramme, donc avec diverses possibilités d'affichage, RVB, rouge, vert, bleu ou luminance. D'accord. Et on peut voir les zones sous-exposées en cliquant sur le petit bouton en haut à gauche de l'histogramme. Vous voyez, là, j'en ai quelques-unes dans les ombres. C'est-à-dire que ce sont des noirs qui sont vraiment noirs. Et je peux voir également les zones surexposées en cliquant en haut de l'histogramme et à droite. J'enlève les zones sous-exposées et voyez, il me reste des zones surexposées dans le ciel, dans les blancs. Vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes. Ça, ça donne des indications précieuses quand on fait un travail de retouche photo. Et en dessous, vous avez les réglages qui sont inhérents à l'outil sélectionné, ou bien au preset sélectionné. Alors, je vous rappelle qu'un preset ici, c'est une combinaison d'outils. Cela veut dire que l'on peut travailler de deux manières dans ce logiciel. Soit on travaille avec un preset, donc ce qui s'appelle appareil photo. D'accord? Et là, si vous sélectionnez un preset, je vais prendre le premier, appareil photo classique. Donc il me dit qu'il va remplacer les réglages actuels. Je trouve tous les outils, voilà, qui sont mis en œuvre par ce preset. Donc c'est bien une combinaison d'outils, des outils qu'on trouve ici en haut. Et vous voyez que j'ai plusieurs outils de sélectionner maintenant, et qui apparaissent à droite. Les réglages standards, saleté et rayures vignetage de l'objectif et type de film. Donc réglage associé à ce preset. Donc on peut travailler directement à partir d'un preset, refaire les réglages, les améliorer. Par défaut ils ont une certaine valeur mais on peut les bouger et on peut même ajouter des outils. Alors on va voir dans un premier temps comment travailler avec un preset, avec un pré-réglage donc. Et puis après, on découvrira les différents outils avec les différentes possibilités. À savoir que les presets vont simuler, donc, des appareils photographiques anciens et des types de films anciens, donc, analogiques. On revient dans le monde de l'argentique. Alors, allons-y. Commençons par voir comment on travaille avec un preset. C'est parti. Bien, nous allons travailler cette photo avec un preset. Pour ce faire, donc, j'ouvre les presets appareil photo. Voilà, les presets sont regroupés par catégorie. En tout, il y en a 96 de presets. J'ai des presets qui représentent les appareils photo de base, d'autres les appareils photo rétro d'autres les appareils photo classiques, animation et bokeh subtil. Alors, on va prendre appareil photo classique. Vous voyez, j'ai tout un ensemble de presets avec des rendus différents. Je vais prendre le premier. Donc là, le logiciel m'informe qu'il va remplacer les réglages actuels. Voilà, le preset s'applique avec donc les réglages qu'il jugent opportun sur cette photo. Alors on voit qu'il y a trois types d'outils utilisés, même quatre. Les réglages standard, saleté et rayures que je vais fermer, vignotage de l'objectif et type de film. Alors ce que je vais faire, je vais désactiver tous les réglages pour vous montrer comment on peut régler cette photo, sans tenir compte des réglages par défaut. Alors, dans les réglages standards, nous avons l'extracteur de détails. C'est en fait un réglage qui va faire monter du détail, monter de la structure dans la photo. Par défaut, il est réglé à 20%. Alors, si je le remets à zéro, alors il y a déjà beaucoup de détails. Je l'avais déjà pas mal fait monter au niveau de, du développement. Donc, je vais monter à 22. La luminosité, c'est déjà très lumineux. J'ai pas envie d'y toucher. Je la laisse à 0%. Le contraste est beaucoup trop fort à mon goût. Je vais le diminuer. Ça va permettre de faire ressortir un petit peu plus les détails dans les ombres. Comme ceci, à moins 8%. C'est-à-dire que j'enlève du contraste. Et la saturation des couleurs, elles sont déjà bien saturées, je n'ai pas envie de trop y toucher. Alors, on a également la possibilité d'agir localement avec des points de contrôle. Je vous avais déjà présenté ces points de contrôle dans les autres modules de la suite Nick Collection, SilverFX, Viveza, ColorFX. Donc pour vous montrer à nouveau comment ça fonctionne, Là, je vais fixer un point de contrôle dans le ciel. Je vais travailler un petit peu ce ciel localement. Donc je clique sur le point de contrôle et je le place dans le bleu du ciel par ici. Je règle le rayon d'action. Voilà, je vais faire en sorte qu'il embrase tout le ciel. Je vais le décaler un peu. Alors ça va toucher d'autres zones de la photo mais c'est pas gênant car je vous rappelle que le point de contrôle s'applique sur la couleur sur laquelle je l'ai posé, c'est-à-dire sur du bleu. Alors on va retrouver du bleu dans l'eau dans cette photo. C'est pas gênant parce que c'est le reflet du ciel. Donc ça devrait marcher. Pour vérifier, je vais regarder le masque ce que ça donne. Donc je clique sur le masque du point de contrôle en blanc les zones affectées. En noir les zones non affectées et en gris les zones un petit peu affectées. Donc là c'est parfait. Vous voyez ça touche bien le bleu du ciel et un petit peu l'eau. Donc ça me va. Autrement on a la possibilité de jouer sur ce masque en réglant la luminance ou la chrominance du masque. On parle bien du masque là. Alors je fais un petit peu mieux avec la chrominance. Oui, je vais faire comme ça. Là c'est pas mal. Voilà et puis sur le point de contrôle, les réglages sont ici, je retrouve mes mêmes réglages que dans les réglages généraux, c'est-à-dire les réglages standards. Je désactive le masque, alors l'extraction des détails est un petit peu basse, et je vais la monter environ à 38% à peu près, voilà, c'est pas trop mal. La luminosité. Je vais rendre ce ciel un petit peu plus lumineux. 27%. Le contraste. Il est beaucoup trop fort encore à mon goût. On perd du détail quand c'est comme ça. Voilà, je vais le mettre à peu près à 15%. Et la saturation, je vais la monter un peu dans le ciel. Je ne touche que le ciel, hein, je vous le rappelle. Voilà, 17% à peu près, ça me plaît bien. Et là, vous voyez, sur ces réglages standards, avec un point de contrôle local, je suis bien arrivé à faire ce que je voulais. Alors, réglage suivant, donc panneau suivant, outil suivant, c'est saleté et rayure. Voilà, j'ouvre ce réglage, je l'active. Voilà, par défaut. Il va appliquer des saletés et des rayures. Alors comment ça se passe On a un type, alors on commence toujours par sélectionner le type et pas l'intensité. Quelquefois les réglages sont un petit peu dans le désordre, je trouve. Alors les différents types, vous avez poussière et peluche, rayures, verre organique et usé. Et chaque fois, ça va générer des poussières et des rayures, ou des peluches, dans le cas suivant. Alors je vais prendre poussière et peluche, il faut bien en prendre un, et je vais choisir ce modèle. Voilà, alors on voit que ça génère des saletés et quelques poussières, vous voyez par ici, Ils sont pas très visibles parce que l'intensité est très basse. Donc je vais la monter, cette intensité, mais ma front, vous voyez, je commence à les voir un peu plus foncées. Si je zoome à 100% sur le ciel, Là, on voit bien les saletés. Vous voyez, il y a un cheveu là. Et les petites euh, poussières par-ci, par-là. Alors, quand on va sur la photo, vous voyez, quand j'amène le pointeur de la souris sur la photo, j'ai un point central. En fait, ce point central, je peux le bouger avec la souris, le déplacer. Et ça me permet, vous voyez, de déplacer les saletés et rayures. Enfin, ce ne pas des rayures, c'est des poussières, là, pardon comme je le souhaite dans la photo. Voilà, on va faire comme ça. Alors pareil, dans ce réglage, on peut mettre des points de contrôle, un ou plusieurs, on peut mettre des saletés localement. Mais là, vous voyez, on commence bien à simuler l'argentique, ces photos argentiques, qui avaient cet inconvénient. Alors, l'outil suivant proposé par ce preset concerne le vignotage de l'objectif. Donc je vais l'ouvrir. Comme ceci. Je vais fermer l'autre là pour que j'ai un peu plus de place. Voilà, j'active le vignotage. Et on retrouve donc les réglages classiques d'un vignotage. La quantité, la forme et la taille du vignotage. Alors la forme ça peut être un cercle ou bien un rectangle. Et vous voyez que sur la photo... J'aperçois ce cercle qui représente la portée de mon vignotage. Alors là, je vais le faire un rectangle. La taille, je vais la diminuer. Alors c'est dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Et la quantité. Alors je veux pas que ce soit clair, je veux que ce soit sombre. Hein. Donc j'assombris. Alors faut y aller doucement. Là, j'y vais trop fort. Voilà. J'ai réglé mon vignotage, mais le gros intérêt, et là c'est très très bien fait, c'est qu'on peut le faire visuellement, ce vignotage. Il suffit simplement de régler la forme, et après la taille, vous pouvez la régler avec le, la souris, vous voyez, taille à 57, 54, et je peux également régler, avec le point central, le centre de mon vignotage. voyez, je peux le décentrer. C'est très très bien fait. Si tous les vignotages étaient faits comme ceci, ce serait beaucoup plus pratique à mon goût. C'est très visuel, c'est très ergonomique. Donc on peut tout faire en fait visuellement, sauf la quantité. Et enfin, le dernier outil proposé dans ce pré-réglage, c'est le type de film. Je vais l'ouvrir. Donc le type de pellicule. Voilà, et je l'active en cliquant sur la case à cocher. Et vous voyez tout de suite, il me choisit un type de film par défaut et ma photo change de couleur. Alors pareil, on a des modèles. Par défaut, c'est délicat. Vous avez chaud, froid, délicat, noir et blanc neutre, avec des tons noir et blanc. Je vais prendre chaud. J'aime bien les couleurs chaudes. Et parmi les couleurs chaudes, vous avez plusieurs possibilités. On voit très bien le dégradé de, des couleurs, de colorimétrie. Là, je vais prendre le modèle 2. Et dessous, vous avez donc des réglages. Le fondu, c'est en fait la transition. Vous voyez, si je la bouge, si je mets à zéro, donc il n'y en a pas. Et je fais la transition entre les couleurs d'origine et les couleurs chaudes. Voilà. Alors, je ne vais pas trop en faire. 35%. L'intensité. Là, par défaut, il était à 100%. Je vais peut-être le régler un petit peu moins fort. 56%. Alors, comme c'est du film argentique, il y a du grain. Et là, vous pouvez régler le grain par pixel. Alors, pour ce faire, il faut passer en zoom à 100%, en fait, hein, pour voir, pour voir le grain. Et je règle le curseur pour voir mon grain. Je le grossis un peu. Voilà, 380. Et on peut dire si ce grain est dur ou s'il est doux. Alors, vous réglez la dureté du grain par ce curseur. Alors, je vais aller plutôt vers la douceur. Comme ceci. Voilà. Je reviens en mode ajusté à l'écran. Et j'ai donc fini mon réglage avec ce preset. Donc, vous voyez, on peut très bien manuellement contrôler tous les outils qui sont utilisés dans ce preset. Alors vous avez deux boutons en bas, le bouton varier qui vous permet de faire varier les réglages aléatoirement, donc tous les réglages qui sont associés à ce preset. Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt de chercher aléatoirement un réglage qui vous convienne. Mais bon, ça existe, c'est un peu la loterie, et puis on peut enregistrer le pré-réglage. Donc on va le faire. Ça me plaît bien comme j'ai fait là. Je voudrais le réutiliser pour d'autres photos. Enregistrer le pré-réglage. faut lui donner un nom. On va l'appeler tuto. Voilà. Je clique sur le bouton Enregistrer. Et automatiquement, il apparaît dans les pré-réglages personnalisés. Alors on peut supprimer ce pré-réglage. On peut l'exporter. Et on peut le mettre à jour. Si vous faites varier un paramètre, par exemple, vous pouvez mettre à jour votre prêt en réglage en cliquant sur cette petite flèche tournante. Voilà. Et dans l'exemple suivant, on va voir qu'on peut encore personnaliser beaucoup mieux un pré réglage en lui adjoignant des outils. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible de faire quelques traitements spéciaux dans ce module. Je vais les traiter les uns après les autres. Alors, il est possible de les faire sur une photo sans avoir fait aucun autre traitement. Mais il est aussi possible d'ajouter ces effets spéciaux à une photo déjà traitée par un preset, par exemple, comme on l'a fait précédemment. Cette photo me plaît bien, j'ai envie d'appliquer un réglage qui s'appelle double exposition pour lui rendre un aspect plus artistique. Pour ce faire, je vais dans les kits appareils photo, donc dans mes outils. On voit qu'il y a quatre outils actifs, qui sont les réglages utilisés précédemment dans le preset. Là, je vais en ajouter un autre qui s'appelle double exposition. Voyez, je suis en mode plus. Et là, automatiquement, cette double exposition vient s'appliquer sur ma photo. Avec des réglages par défaut, comme pour tous les outils. Alors, il est possible de faire de la double exposition de deux manières possibles. Soit avec la même photo. Donc, on va dupliquer cette photo comme si on avait fait une surimpression. Ou bien avec une autre photo. On va d'abord faire avec la même photo. Pour ce faire, j'ai les réglages suivants, j'en ai quatre. L'exposition, on va la pousser un petit peu plus. L'éclaircir donc. Pas bien plus, hein. comme ceci. La balance de l'exposition, c'est la balance de l'exposition entre les deux vues, vous voyez. Soit je m'en favorise une, soit je favorise l'autre. Là, il se trouve que c'est la même. Hein. Donc je vais la pousser un petit peu pour mettre en valeur la deuxième, la surimpression en fait. Essayons d'employer les bons mots. 75%. L'intensité du zoom, vous voyez que j'ai un effet de zoom qui vient se faire sur cette double exposition. On peut ne pas le faire, c'est-à-dire le mettre à zéro. Là, on va en faire un petit peu. Voilà, 58%. Et l'intensité de la rotation du zoom. Vous voyez, on peut faire une rotation de ce zoom. Alors, tous ces réglages, on peut les faire visuellement. Vous voyez, quand j'amène le pointeur de la souris sur l'écran, j'ai un rectangle qui va donc représenter le zoom. Vous voyez, de la deuxième photo, en fait, on est d'accord. Et on voit apparaître la deuxième photo par-dessus la première, donc la surimpression. Donc, il suffit de prendre l'un des coins et de tirer le zoom. Et avec le point central, on peut décaler ce zoom. Là, je vais laisser comme ça. Donc, décaler ma surimpression. J'ai un autre point, vous voyez, qui apparaît en orange. Ça concerne les réglages d'intensité du zoom et d'intensité de la rotation du zoom. Alors, vous voyez, mon zoom part de ce point-là. Mais je peux le faire partir d'ici, par exemple. C'est le point central. Le cercle central, c'est la zone de la photo qui ne sera pas zoomée. Vous voyez. Et du premier cercle jusqu'au deuxième, c'est la transition du zoom. Donc le zoom progressif sur la photo. Et puis j'ai des petits points qui concernent la rotation du zoom. Il suffit d'en prendre un seul et de faire tourner ce zoom. Alors, vous voyez, un réglage facile à manipuler visuellement à partir de l'écran. Donc, ça, c'était la première façon de faire une double exposition avec la même photo. Alors, on peut faire mieux. Hein Là, j'ai fait un petit peu vite. On peut faire des choses très très sympas. Je voulais simplement vous expliquer le principe qui est assez simple. Mais encore faut-il l'expliquer. Je reviens à zéro en cliquant sur la flèche rotative là du réglage, et là je vais faire la même chose mais avec une deuxième photo. Donc je clique sur le petit plus ici et je vais chercher une deuxième photo. Là, je vais mettre un portrait. Vous pourrez faire pareil. Hein, cette photo est... est dans les fichiers à télécharger. Donc il remet tout à zéro ce que j'avais fait avant, et il me propose deux réglages seulement, l'exposition et la balance de l'exposition entre les deux photos. D'accord? Par contre, j'ai des réglages visuels. On retrouve les mêmes. Donc le zoom de la deuxième exposition, je peux l'augmenter ou le diminuer, mais je ne peux pas plus le diminuer que ça. Donc là, je vais le décaler. Avec le point central, de façon à ce que le visage apparaisse un petit peu plus dans le ciel. Voilà, comme ça. L'exposition de la deuxième photo, je vais l'éclaircir en, oh, oh peut-être pas trop, un petit peu. Et la balance de l'exposition entre les deux photos, vous voyez, soit je privilégie la deuxième, et j'ai plus la première, soit je privilégie la première. Donc, c'est plutôt la balance entre les deux photos, ce serait plus juste. Une surimpression très douce comme ceci. Voilà donc un premier effet spécial. La double exposition, ça vous évite bien des manipulations dans Photoshop et le résultat est impeccable. Maintenant, nous allons voir un autre effet spécial. C'est un outil qui permet de faire un zoom avec une rotation avec un effet de flou. Pour ce faire, je vais prendre une autre photo, donc un autre exemple. C'est parti Alors, j'ai ouvert une nouvelle photo qui s'appelle Nuit dans votre dossier de téléchargement. Sur cette photo, je vais donc appliquer le fameux zoom avec rotation, avec effet de flou. Alors par défaut quand on ouvre une photo et qu'on arrive dans Analogue, il applique automatiquement, enfin il vous propose d'appliquer plutôt automatiquement des réglages standards. Là il se trouve que je les ai faits déjà dans le développement de cette photo, donc je ne vais pas y toucher, je ne vais pas en faire. Par contre, je vais ajouter mon outil zoom et rotation avec effet de flou. Alors, cet outil peut être réglé entièrement visuellement à partir de l'écran. Vous avez les curseurs qui correspondent. Alors, par défaut, il applique certaines valeurs. Hein. Vous voyez, déjà, il a fait quelque chose. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail. Donc, avec le point central, on peut positionner donc le centre de notre zoom. Là, je vais le faire sur le visage de la jeune fille. Voilà, je peux même réduire cette partie pour le faire uniquement sur le visage. D'accord? Donc on peut réduire le cercle central hein, manuellement. Donc cette zone centrale sera protégée du, de l'effet zoom. Et puis après, on voit que l'effet de zoom part depuis le cercle central jusque à toute la photo avec une zone progressive. Cette zone progressive va du premier cercle au second cercle. Là, je vais l'agrandir un petit peu, cette zone progressive. Vous voyez ce que ça donne C'est assez sympa, comme ça d'ailleurs, je vais laisser comme ça. Un espèce de feu d'artifice à partir du visage. Et je peux également faire une rotation du zooming avec les points de rotation. Il suffit d'en prendre un. Vous voyez et mon zoom part en rotation, je vais la faire un peu plus forcer, comme ceci. Voilà, c'est très simple à faire. C'est très intuitif, ça marche très bien. Et là aussi, ça vous affranchit de beaucoup de manipulations dans Photoshop pour faire des effets assez intéressants, plus ou moins marqués. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, on peut dire qu'Analogue est vraiment un outil créatif un module créatif avec plein de possibilités. Alors sur cette même photo, je vais appliquer un nouvel effet, c'est le flou directionnel qu'on peut très bien faire dans Photoshop, mais on va voir que là on peut le faire aussi de belle manière. Donc j'enlève l'effet de zoom que j'avais fait. Voilà, je désactive hein. Je vais même carrément l'enlever pour vous montrer comment on fait. On va sur l'outil à gauche et on clique sur moi. Voilà. Et j'active donc le flou directionnel. Alors vous voyez, c'est très simple. Il y a deux réglages, mais en fait il y en a plus parce qu'on peut les faire manuellement. Alors on retrouve le même principe que pour les zooms. Hein. On a une zone centrale qu'on va protéger dans le cercle central. Alors, je vais faire plutôt sur la jeune fille complète, là. Je vais plutôt inverser le... les cercles, ce sera plus facile. Voyons, on peut faire une rotation comme ceci, de l'ensemble de mon outil. Là, je vais le décentrer, et je vais essayer d'englober toute la jeune fille, ou une grande partie, pas toute, dans mon cercle central, voilà. Et après, du cercle central au deuxième cercle, c'est la zone progressive du flou directionnel. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu, comme ceci. Et vous avez une flèche qui vous indique la direction du flou directionnel. Donc il suffit de prendre la flèche. Voilà, et on peut changer la direction du flou. Vous voyez, c'est assez bien foutu. Et là, je vais la faire un peu plus petite. Et je vais le faire vers la droite, comme ceci. Voilà. Et vous voyez, en quelques manipulations, j'ai pu faire un flou directionnel en protégeant mon personnage. Alors, on peut ajouter d'autres flous, des points de flou, vous voyez. Donc, j'en prends un. Il suffit de cliquer dessus. Je l'ai au bout de ma souris, je le pose par là, un petit peu n'importe où. Et vous voyez, j'ai un nouveau point de flou directionnel qui va donc infléchir la partie de la photo sur laquelle j'ai démarré ce nouveau flou directionnel. Je vais en ajouter un autre, en bas par exemple. Vous voyez, on peut s'amuser comme ça. Alors là, vous avez juste des points de flou directionnel. Hein. Vous n'avez pas tous les réglages. Hein. C'est juste pour ajouter quelques points par-ci, par-là, si votre créativité le nécessite. Bien, maintenant nous allons nous intéresser à un autre outil, peut-être moins intéressant, c'est la distorsion de l'objectif. Voilà, je vais faire sur la même photo, j'ai annulé mon flou directionnel et j'ajoute l'outil distorsion de l'objectif. J'enlève le flou directionnel complètement. Voilà, là on n'a pas de réglage visuel, hein. c'est tout par des curseurs. Alors la distorsion, on peut la faire convexe ou concave. Vous voyez donc ça simule très bien la distorsion naturelle de l'objectif. On va la faire concave. Et on peut générer des aberrations chromatiques. Donc je vous rappelle que les aberrations chromatiques, ce sont des franges vertes, violets, magenta, rouges, qu'on va trouver sur le contour, notamment ici des bâtiments, sur le contour des objets de votre photo. Alors ce que je vais faire, je vais zoomer à 100% sur la photo de façon à visualiser mes aberrations. Voilà. Donc vous pouvez générer des aberrations rouge et scient, vert et magenta, bleu et jaune. Alors, on va faire la première, rouge et scient. Quoique j'ai du rouge autour des bâtiments, je vais plutôt faire l'autre. On la verra mieux. Vert et magenta, et là pour la voir je vais forcer l'intensité, le... et voyez sur les contours du haut du bâtiment, j'ai une frange rouge. Voilà une frange bleue, là maintenant. Vous voyez, c'est très sensible, ça marche très bien, et on peut défocaliser, c'est-à-dire rendre un petit peu flou, c'est-à-dire faire du vignotage en fait, du vignotage dû à l'objectif. Hein. On va rendre un petit peu flou les bords. Alors, je sais pas si c'est bien sensible. Là, il faut que je zoome encore. On va aller sur le bord du bâtiment. Là, peut-être que ce sera visible. Ici, sur le bord de la photo. Voilà. Là, je suis à zéro. C'est tout net. Je défocalise. Et voyez, le bâtiment devient flou. Voilà. Donc, là, on simule les aberrations dues à l'objectif. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. À vous de le dire, personnellement, je n'en fais pas usage. On s'embête trop pour supprimer les aberrations naturelles d'un objectif. Peut-être que c'est créatif de les reproduire, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, nous allons passer à un outil qui va beaucoup plus vous intéresser. C'est l'effet de bokeh. J'ai ouvert une nouvelle photo sur laquelle on va donc appliquer l'effet de bokeh. Alors, dans les outils, l'effet de bokeh se trouve ici. Voilà. Je vais supprimer les réglages standards. Donc, voilà les réglages qui sont spécifiques à l'outil de bokeh. Alors, un effet de bokeh est appliqué par défaut, par le, par l'outil. Alors, un effet de bokeh, c'est quoi? c'est rendre le fond flou et toutes les taches de lumière vont représenter en fait l'image du diaphragme de votre objectif je vais vous montrer par l'exemple ce sera plus simple alors on a un outil graphique qui vous permet donc de confectionner votre effet de bokeh manuellement visuellement il y a deux types de styles de bokeh celui-ci donc avec le fameux cercle que vous commencez à connaître, et puis un autre qui est linéaire. Là, ce qui m'intéresse, c'est celui qui représente les deux cercles. Je voudrais que le centre, le cœur de la rose, soit net. Donc je déplace mon outil graphique avec le point central, comme ceci. Au centre, le cercle qui représente la zone qui sera nette. Je vais l'agrandir un petit peu et je vais l'arrondir en prenant ce point ici. Je rends la forme plus ronde. Voilà, comme ceci. Et depuis le cercle central jusqu'au cercle périphérique, c'est la zone de flou progressif. Vous connaissez un petit peu la manip maintenant. Et tout autour de ce deuxième cercle, nous avons la zone qui sera floue. Je vais agrandir un petit peu la zone progressive, voilà, ou plutôt la diminuer, voilà comme ceci. Et là, l'intensité du flou ne me suffit pas, donc je vais l'augmenter jusqu'à voir des taches de lumière. Et là, on commence à avoir des taches de lumière avec la forme qui est représentée ci-dessous. Donc là, un cercle. Optimiser les tons clairs, ça va vous permettre de renforcer toutes les zones de lumière qui était présente sur cette photo. Car si les tons clairs ne sont pas visibles, l'effet de bokeh ne va pas se produire. Je vous montre, voyez, si je mets 0, on n'a aucun effet de bokeh. Si j'optimise les tons clairs, l'effet de bokeh apparaît. Je vais changer de forme pour vous montrer toutes les formes possibles. Voilà un pentagone qui ressemble déjà beaucoup plus à un diaphragme. Ensuite, nous avons une autre forme de diaphragme, une autre forme. Avec plus ou moins de lamelles, en fait. Là, on sort complètement de la réalité avec une étoile, une autre forme d'étoile, une autre, une autre, et là, on est carrément en dehors de la réalité avec un cœur. Voilà, je vais prendre cette deuxième forme. Vous voyez, dans l'étage de lumière, on la voit très nettement. Je vais peut-être forcer un petit peu plus le flou. Et cette, ce diaphragme, cette forme, on peut faire une rotation. Vous voyez, pour l'orienter. Comme on le souhaite. Et on peut faire une variante de l'ouverture, donc du diaphragme, là. Vous voyez, la forme se déforme un peu, si je puis dire, pour prendre une autre forme. Et voilà, mon effet de bokeh est pas mal réussi sur cette photo. Bien simulé. Cet outil fonctionne pas mal. On a des résultats artistiques assez intéressants. Alors, on peut faire aussi un bokeh linéaire, mais là, ça va pas aller sur cette photo. Alors, en fait, on retrouve strictement l'outil dans Lightroom qui s'appelle le filtre graduel. Donc en fait, vous avez pareil une zone centrale qui va être nette, d'accord Une zone de flou progressif entre la zone centrale et la deuxième ligne, on peut l'agrandir, il suffit de prendre des lignes, on peut réduire ou augmenter la zone nette, on peut faire une rotation de la forme. On pouvait le faire aussi sur le cercle. Hein. Et en dehors, donc, vous avez notre effet de bokeh qui apparaît. Bon là, c'est moins pertinent que le cercle sur cette photo. Nous allons voir un autre outil, peut-être moins intéressant, qui permet de simuler des fuites de lumière. J'ai ouvert une nouvelle photo sur laquelle nous allons. Utiliser l'outil fuite de lumière. Donc fuite de lumière se trouve ici. Je ferme les réglages standards, comme d'habitude. Et on se retrouve avec quelques réglages. Alors il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous allez voir, c'est très simple. Par défaut, il applique un modèle de fuite de lumière. Alors c'est les fuites de lumière qu'on pouvait avoir sur certains vieux boîtiers bon marché. Et ces fuites de lumière peuvent être créatives, dans certains cas. Alors, comment ça se passe? Nous avons plusieurs catégories. Doux, net et dynamique. On choisit une catégorie. On va rester sur doux. Et au sein de cette catégorie, nous avons plusieurs modèles. Voilà une fuite de lumière au centre, au centre du boîtier. Une qui provient du haut et sur le côté gauche. On va rester sur celle-ci. Vous vous amuserez à regarder tous les modèles. Et après, il suffit de régler l'intensité de la monter ou de la diminuer. Alors ça peut être intéressant pour faire apparaître des, des points lumineux sur certains endroits de la photo. Pourquoi pas Voilà, c'est très simple. Et puis on a la possibilité de faire des points de contrôle, c'est-à-dire de faire des fuites de lumière localement sur la photo. Nous allons passer à un autre effet, c'est l'effet de plaque photographique. Voilà, j'ai ouvert une nouvelle photo sur laquelle je vais appliquer l'effet de plaque photographique avec l'outil associé plaque photographique. Voilà, et je ferme les réglages standards comme d'habitude. Donc là, c'est très simple, c'est comme le réglage précédent. On va appliquer l'effet d'une plaque photographique sur votre photo. Donc votre photo devient une photo ancienne qui a été prise avec une plaque photographique. Trois catégories sont disponibles, strié, rouille et béton. Voilà, on va rester sur strié et l'exemple qui est pris par défaut. Vous voyez des traces de doigts, c'est bien cochon, avec une belle rayure au milieu. On peut essayer un autre modèle au sein de cette catégorie. Strié toujours. Alors là, euh, il faut vraiment en avoir l'utilité. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, ça existe. Alors pareil, vous avez l'intensité et vous avez la possibilité de faire ce réglage localement par l'intermédiaire de points de contrôle. Nous allons voir l'outil suivant, qui est l'outil multi-objectif, qui va permettre une créativité peut-être plus intéressante. J'ai ouvert une nouvelle photo. Sur laquelle nous allons appliquer l'outil multi-objectif qui se trouve ici. Je vais faire mon réglage standard. Alors voilà quelque chose d'assez intéressant. Il va découper votre photo comme si elle avait été prise avec plusieurs objectifs. Alors vous avez plusieurs modèles possibles, plusieurs dispositions possibles en fait, donc verticale, horizontale, verticale à quatre bandes. Horizontale à quatre bandes, et puis quatre photos, alors ça c'est différent, votre photo n'est pas découpée, elle apparaît quatre fois avec des expositions et des réglages différents. Alors on va prendre peut-être le premier carrément, ou l'horizontal, voilà. Sur chaque photo, vous avez un outil visuel qui vous permet par exemple de décaler votre photo, comme ceci. Là, je mets le haut, le milieu, et je vais m'amuser à mettre le bas ici. Ça permet de faire des effets assez intéressants. Voilà. Et puis, vous pouvez zoomer sur la photo également. Et hein. sur la partie qui vous intéresse. Toujours avec cet outil visuel que vous connaissez maintenant. On peut régler la bordure, blanche ou bien noire ou bien pas de bordure du tout, ce qui fait un peu bizarre. On va mettre une bordure blanche. La largeur de la bordure, voilà. Vous pouvez générer un vignotage sur les images. Alors on va plutôt prendre le modèle à quatre images pour bien visualiser ce vignotage. Alors il va se faire sur chacune des images. Alors vignotage très simplifié, hein. il n'y a qu'un réglage possible avec un curseur. L'intensité de la variation, donc la variation d'exposition en fait, hein, et on la fait plus ou moins intense, et vous avez plusieurs types de variations. Je pense qu'il faut peut-être commencer par choisir le type avant l'intensité, je vous les montre, deuxième type que j'aime bien d'ailleurs, le troisième, le quatrième, et un cinquième. On va prendre le deuxième. Voilà un outil avec lequel on peut bien s'amuser sur une photo, ça peut être sympa, et même après de réaliser un tirage papier avec votre photo, ainsi découpée. Ensuite, nous allons voir l'outil cadre. Voilà, j'ai ouvert une nouvelle photo. Sur cette photo, je vais appliquer l'outil cadre, qui se trouve ici j'enlève les réglages standard par défaut il m'applique un cadre alors c'est pas des cadres comme dans silver fx pro qu'on peut travailler vraiment beaucoup alors vous avez plusieurs catégories trois film fixe blanc ou bien boîte de lumière on va prendre blanc et au sein d'une catégorie vous allez choisir un cadre on va prendre le premier il calcule un petit peu vous voyez, c'est un cadre de photo ancienne. Ça va pas très bien sur ce paysage. On peut en essayer un autre. Celui-là irait mieux. On peut pas régler grand chose. On peut régler l'échelle qui permet de faire un cadre plus fin. Mais c'est tout. Est-ce que c'est bien utile? Vous essayerez plusieurs cadres. Vous verrez si ça peut convenir à l'une de vos photos. Et nous allons voir le dernier outil que nous n'avons pas vu encore. C'est l'outil Niveau et courbe. Alors, je ferme l'outil cadre. Voilà, et sur cette photo, qui est très belle en plus. C'est pas une des miennes, c'est pour ça que je le dis. Vous avez un très beau coucher de soleil, cette photo est magnifique. On retrouve la courbe, la fameuse courbe qui vous permet de régler donc les hautes lumières et les basses lumières de votre photo. Mais ça vous permet également de régler l'opacité du réglage que vous avez fait. Je vous montre, j'ai fait une courbe. Alors j'explique pas la courbe vous. Hein. Je l'ai fait dans dans un tuto spécifiquement consacré à la courbe. Voilà, je fais la fameuse courbe en S comme ceci, et là je peux régler l'opacité du réglage que je viens d'appliquer sur la photo. Voilà donc on est donc sur de, des courbes traditionnelles. Hein. Et on peut agir sur les différents canaux rouge, vert, bleu et la luminance. Puisque nous sommes dans un tutoriel où nous partons pour la première fois de Photoshop, autant être très complet et tout vous indiquer. Alors là j'ai terminé mes modifications avec la courbe. Je clique sur appliquer. Donc je reviens dans l'application haute, à savoir Photoshop. Donc voilà, et j'ai un nouveau calque qui s'appelle Analog FX Pro 3, qui a été généré donc à partir d'Analog et qui contient les modifications. Mais à partir de ce calque, je ne peux rien faire. Je ne peux pas revenir dans Analog si les modifications ne me conviennent pas. On va repartir dans Analogue, Filtre, Ni Collection, Analogue. Et là, vous voyez que je n'ai aucune modification. Si je retourne dans les courbes, je repars de ma photo à remodifier et je ne trouve pas les dernières modifications que j'ai faites pour les corriger. C'est un petit peu ennuyeux. Alors, vous avez une autre façon de partir. Dans Photoshop, on ne va pas cliquer sur appliquer, mais on va cliquer sur pinceau. Et là, je reviens dans Photoshop et on voit que j'ai un nouveau calque avec un masque de fusion. Ça veut dire que je vais appliquer localement mes modifications faites dans analogue à travers un masque de fusion. Je vous renvoie sur mes tutos dans Photoshop si vous voulez savoir ce qu'est un masque de fusion. Donc, automatiquement, il me génère un pinceau. Et là, je peux peindre en blanc sur certaines zones, dans le masque de fusion, hein, pour appliquer mes modifications localement. Ah, par défaut, le masque de fusion est en noir. Donc, il faut peindre en blanc pour appliquer les modifications. D'accord? Et quand j'ai terminé, je clique sur appliquer. Et là, il me génère le calque modifié. Par contre, je ne peux toujours pas revenir dans analogue avec les modifications pour les modifier éventuellement. Je suis obligé de repartir dans analogue avec une nouvelle photo. Ça va pas. Donc la meilleure façon de travailler. Alors je vais enlever ce calque. Je vais le supprimer comme si on n'avait rien fait. Je vous conseille de travailler de la manière suivante. Vous allez dans filtre et avant, D'aller dans Analogue, vous convertissez le filtre en filtre dynamique. Ok, on obtient donc un objet dynamique. À partir de cet objet dynamique, je vais dans Nick Collection, Analogue. Il me prévient que je pars à partir d'un objet dynamique, et que Analogue va donc se comporter comme étant un objet dynamique. Je vais faire quelques modifications très visibles. Hein, voilà, comme ça au moins ce sera clair. Voilà. Et là, je n'ai plus le pinceau. Parce que je suis sur un objet dynamique. Je clique sur Appliquer. Me voilà revenu dans Photoshop. Avec les modifications. Mais là, la donne a changé. J'ai un objet dynamique avec un filtre dynamique et un masque de fusion. Alors, première chose, je peux utiliser ce masque de fusion pour cacher, vous voyez, certaines zones localement en peignant en noir. Et, chose plus importante, je peux revenir dans Analogue avec le réglage que je viens de faire en double-cliquant sur le libellé Analogue FX. Je le fais. Il me prévient que c'est un objet dynamique. Et vous voyez, je reviens avec les réglages que j'ai effectués précédemment, que je peux modifier, et là je retourne dans Photoshop, avec une photo corrigée. Alors je vous conseille plutôt cette méthode, de partir avec un filtre dynamique, afin d'obtenir un objet dynamique, et vous pouvez revenir à tout moment sur vos réglages dans Analog FX Pro 3. Voilà ce tuto. S'achève Ce long tuto s'achève Alors sachez que j'ai bien découpé ce tuto avec une table des matières. J'ai préféré faire un seul tuto plutôt que plusieurs tutos consacrés à Analogue. C'est un choix, mais vous savez que je fais des tables de matières très complètes, tout est bien découpé, donc vous pouvez accéder directement à la partie qui vous intéresse si un jour vous avez besoin de faire un certain travail. Alors, en résumé, on peut dire qu'on est face à un module puissant qui ne se limite pas à la simulation et au rendu d'une photo ancienne. Nous avons vu qu'il possède beaucoup d'outils très intéressants et très ergonomiques pour réaliser des effets tels que le flou directionnel, le zoom avec effet de flou, le bokeh, la double exposition. Le multi-objectif, etc. Un module que j'ai redécouvert à l'occasion de la confection de ce tutoriel, tutoriel dans lequel j'ai essayé de vous montrer toutes les possibilités créatives d'Analog FX Pro 3. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous. A très bientôt pour un autre tutoriel, toujours de la suite Nick Collection 5. A bientôt